Ah non, non et non. Mesdemoiselles, vous n'aimez pas le théâtre? Une petite chanson alors? Non. Une blague? Non. Un poème? Non. Je dirais que tu n'as rien d'une artiste non plus. Ça suffit, continuons notre balade. Je ne sais pas si à l'époque où vous vivez, vous avez les mêmes problèmes que nous avec les gueux, mais franchement, c'est pas facile. Ils n'écoutent rien, se prennent pour les maîtres du monde, manquent de respect envers leurs aînés. Nous y voilà. Méfiez-vous, il paraît que dans une centaine d'années, les premières femmes vont enfin s'affirmer, se révolter et montrer qu'elles ne sont pas des objets. Et ça sera le début d'un long combat. J'aurais bien aimé que ça soit maintenant. Et d'où tenez-vous cette nouvelle? J'ai consulté Merlin, tout simplement. Merlin l'enchanteur. Vous connaissez, chers amis? Ah, je vois. Bon, déjà avec... Je me vois déjà avec une pancarte et un gilet jaune sur la place du village. Mais calmez-vous avec votre pancarte et votre gilet. Revenez sur Terre. C'est bon, c'était juste un rêve, mais j'espère que Merlin a vu juste. Merlin, on dirait une pancarte. Et tu n'es qu'un rat, d'un revers de main je chasse. La fierté est noble, mais l'orgueil ne vous suit guère. Si tu avais un peu de sagesse, tu te tiendrais quoi? Un jour, nous obtiendrons les mêmes droits que vous. Si c'est ce que tu veux, demande-le poliment. Mais pour le moment, mes amis et moi préférons faire la fête. On est là, tu es pour Foucault. Ça va, ça se passe bien cette journée? Ah ben, dis-leur, tu ne veux pas alors. Je tu veux un micro? Non, mais je détends. C'était quoi, c'était un château ici avant? Forteresse. Ouais, ça c'est mieux. Parce qu'en haut d'une tour, qu'est-ce qu'on trouve en haut d'une tour généralement? Il y a un micro aussi. Alors qu'est-ce qu'il y avait en haut des tours à l'époque? Des chevaliers, des princesses. Il y avait des princesses. Il y avait des princesses, forcément. Et les princesses, elles étaient princesses comme ça, elles sont levées un beau matin, j'ai dit tiens, toi tu vas être princesse toi. Ouais. Ça c'est les faits, généralement. Et voilà, le roi est là, maintenant. Forcément, qu'est-ce qu'il y avait, forcément, dans le domaine? C'est, il y avait du pognon, on est bien d'accord. Hein. Après, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Bon, c'était pas là en se levant le matin, parce qu'ils se levaient le matin, ils mangeaient, puis après ils attendaient que ça se passe, que ça rentre tout seul. Hein. C'était le bon peuple, très certainement vos ancêtres, les miens, très certainement, qui payaient lourdes taxes, etc. Et quand il y a un trésor, qu'est-ce qu'il y en a forcément? Mon Dieu! C'est une manifestation divine, je pense. La sorcellerie! Et qu'est-ce qu'il y avait quand il y avait un trésor? Un dragon, tout à fait. Mais vous voulez voir un dragon, j'imagine? Vous êtes pas monté jusqu'ici, juste pour m'entendre parler, raconter un tout un tas de sottises, on est bien d'accord. Hein. Vous voulez voir un dragon? Oui! Oui! Bon, je vais reposer une question. Est-ce que vous voulez vraiment voir un dragon? Parce que là, formidable. J'ai toujours aimé faire ça. Vous voulez vraiment voir un dragon, un vrai? Ouais. Un dragon bleu. Vous les voir? Bien sûr. Ouais. Je fais ça généralement, mesdames, s'il vous plaît. Criez un petit peu moins fort, sinon après ça va être un petit peu houleux à la maison. D'accord? Ce soir, je vais bien vous le montrer. D'accord? Attention. Oh. Ouais. Ouais. Voilà. Ça va, 45 ans, c'est pas mal, 45 ans. Moi et toi, on peut-être pas dire la même chose. Dans mon métier de marcheur de feu, ce qu'il faut, c'est être très 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 organisé. Je t'ai pu mettre ce machin. C'est mon costume pirate aussi que je fais ça.
No, to jest zase prim, bo buta jedzi w pokaż na dwa olimpiki. Je vais dire que la flamme olympique. La flamme olympique. Mais je crois qu'il y a un faire une. Version médiévale. Je crois qu'il y a un faire au moins une 2 ou 3 crachats ici. Non, c'est là. On est vraiment bien là. Ils sont pas prêts là-bas. Ça arrive pour ça, mais je cracherai pas pour vous. Ils sont prêts ? Ils sont pas prêts. Il a pas l'impression. Il va cracher. Hein? Капа пови.